Salut les amis, c'est Cyril. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de Casse de Piste. Ouais. Et puis bah moi je me rapproche du Cyril. Je sniffe le Cyril même. C'est ma drogue. Mais ne prenez pas de drogue les enfants, c'est mal. La drogue c'est mal, oui. Bah d'accord. T'en as deux qui t'ont repéré, mais c'est c'est l'humain qui a priorité sur le monstre. Tu vas pas, vous allez pas aimer du tout. Genre j'ai la pire équipe possible pour ça, quoi. C'est ça. Non, on va utiliser le mouton. Mout. On va avoir quelqu'un comme ça. Bah ouais. Autant lier l'utile et l'agréable. Impacto. Donne-moi encore du huile, mon gars. Sérieux, mais certains bruits, quoi. La ponction. Je vais te faire ponctionner. Ah, on a Glassbeck qui évolue. Nice. Ah. Qui va pouvoir évoluer. Écoute, on va continuer de monter un petit peu. Hein? C'est le premier de ce que les veilleurs appellent les panneaux ambulants. D'aucuns pensent qu'en se tenant sur les interrupteurs dans le bon ordre et en suivant tous les panneaux, il est possible de découvrir un trésor. Oh. Mais d'autres affirment qu'ils n'ont fait que tourner en rond. Bah, ils sont débiles. Alors, il faut que tu ailles de l'avant en fait. Le panneau il montre. Ouais. C'est ça? Il y a le bouton à droite là aussi que j'aimerais aller voir. Voilà, comme ça on est tranquille. Ok. On va aller là, on va faire évoluer le Glassbeck. D'accord. Alors ça, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire évoluer comme ça. Vous pouvez continuer à grinder de l'XP à l'infini. C'est juste qu'en fait, ils gagneront. En fait, ils vont reroll leur 5 étoiles en permanence. Ouais, Cryolames. Les Cryolames sont armés de deux épées de glace qu'ils utilisent pour attaquer leurs ennemis. Leur technique offensive la plus courante consiste à manier ces deux lames comme une énorme paire de ciseaux. Sympa! Tu vois, très grosse vitesse, grosse attaque corps à corps, gros PV, le reste moyen. Ouais, mais pas mal, tu vois. Normalement, il est blanc. Ouais, non, bleu, il est bien. Bleu est sympa. Alors, tu vas essayer de faire le trésor ou pas du coup? Ouais. Alors, faut aller devant. Ça indique qu'il faut aller devant. Donc, le point qui est là-haut, ouais. En fait. Alors, à savoir qu'il faut vraiment prendre le bouton qui est vraiment sur la même ligne. C'est ça. Et vous ne trompez pas. Donc, par ici. C'est le bouton qui est en bas. C'est pour ça que moi j'ai vraiment tendance à partir du panneau. Et d'aller. Tu peux tourner les petits. Non, ceux-là tu peux pas. Ah, ceux-là ils se tournent pas? Non. Oh! Un Barry Crabbe, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout là le Barry Crabbe? Je sais pas. J'adore, c'est trop mignon. Nya, 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 nya.
continue. On va tout droit jusqu'au fond. Ah. Ah, il t'a chopé. Oh, il est mignon, l'aquapode. T'aimes bien l'aquapode? Oui, il est mignon. J'ai un petit bocal avec un petit dauphin ou un petit requin dedans. C'est un petit requin. Ouais. C'est un petit requin. Je vois quand même à quel point il est solide. Ah bah oui, c'est clair, il est solide. Hein. C'est un truc de ma boule. Hein. Il est solide, ça c'est clair. Hein. Purée. C'est un truc de fou. Hein. Il a un aquarium du coup vraiment hein, super sympa. Je sais pas si je vais le kiffer. Ça, je pense pas. Ah non. Ah si. Oh j'ai cru qu'il est. Comme il restait, je me suis dit putain tu l'as pas kill, c'est bon, il a des tout petits points de vie, mais non en fait. Ah dommage. C'est pas grave, on en trouvera d'autres. Alors, faut que tu ailles tout droit. Tu vois le petit jetpack? Tiens, ça veut dire qu'il y a. Comment il te saute dessus, sérieux? Ah, t'as un agent immobilier. Faut que tu remontes. Faut que t'ailles tout droit. Ah, t'avais un levier aussi. Sur l'île. Moi, je m'en occuperai après. Oui, bah oui. Ouais, c'est vraiment. Faut vraiment suivre les panneaux. Mmh. Il était passé, mais un pixel, je pense. Hein. Il a le nuage au-dessus. Ah! T'as un chrono pour le récupérer? Ouais. C'est ça le. Non, c'est pas ça le trésor. Non. Ah! Ah oui, t'as même les directions opposées! Ah oui, le puzzle il est long. Hein. Eh, c'est un truc de ouf quand même. Mais espérons qu'il y ait quelque chose de bon à l'arrivée. Hein. D'accord, il faut que tu rentres dedans. Ok. Espérons qu'il y ait quelque chose de bon. Hein. C'est bien souterrain, mais me mettre mal à l'aise. J'ai toujours la sensation d'être un intrus. Si tu refais le bleu cette fois-ci. Ah. Un ennemi qui t'a attaqué. Ouais, j'ai pas du tout la bonne équipe. La plante peut-être sera le mieux. Je vais prendre le Trifinx aussi.
Comment je vais m'y prendre? Non, je reviens toujours sur full rouge. Ouais. D'accord. Excellent. Il te faut une clé. Ouais. Et comment tu fais pour avoir la clé du coup? Il fallait pas faire couler. Ah bon? Ah, regarde. Il te faut les rouges au milieu et bleus. Le rouge au milieu. Faut qu'en bas ça soit bleu. Celui du milieu, en gros, c'est au milieu qu'il faut que ça soit rouge. Ah, c'est pas facile, hein. Ça tombe toujours celui du milieu. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Sinon attaque-le. Hein. Il me cave. Oh, l'unicrabe, du coup, c'est l'évolution. C'est l'autre évolution. Là. Ouais. Soit le barricrabe, soit on a le unicrabe. Ou soit le crabe magicien. Ou le magicrabe, ouais. Mais bon, pour le magicrabe, c'est plus compliqué. Bah ouais. Tu m'étonnes, il faut avoir un shiny, en gros, astral. Super. Ouais. C'est non seulement faut un bootleg. Ouais. Déjà d'une, pour tomber un bootleg, c'est une chance sur 1000, je rappelle. Pollen narcotique. Ah. Il te faut les deux en haut. Voilà, lui et l'autre. Et tu fais plus quoi comme ça. Et les deux extrémités en haut en rouge aussi. Ça crache sec, hein. C'est le molar divin chez eux. C'est ça. Il faut que tu enlèves celui. Ça.
J'ai le bon pattern, mais... De l'autre côté, voilà. C'est de l'autre côté que tu l'as. Mais écoutez, on va se quitter là, hein, parce que ce puzzle-là, il est un peu compliqué à faire. En espérant que... Ouais, bah, on j'ai trouve, faim, voilà. J'ai du mal à me concentrer. C'est ça. Donc on va se quitter là, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve demain pour la suite. On vous fait plein de bibis et on vous dit à demain. Eh ouais, à demain. Et nous on va aller miam miam. Ouais.